Ça se passe en trois positions, genoux couchés debout, on tire 40 balles dans chaque position, le tout en 2h45. Et après, on fait une finale où on tire 3 fois 15 balles. Donc pareil, 15 balles genoux, 15 balles couchées, 15 balles debout. Et après, on fait la mort subite sur les 5 dernières du debout, et voilà. Début août, on va avoir un stage de préparation, un training camp sur Châteauroux, sur le CNTS. Et ensuite, une préparation individuelle de mon côté, donc qui va se faire du côté donc, de Colmar. Donc avec une préparation physique. Et la position est entière réelle dans un stand. Mental, je travaille avec un coach mental, donc qui va m'aider à préparer simplement à l'approche de la compétition et à arriver sur place pour avoir plus de billes dans les mains au cas où j'ai un pépin ou juste pour arriver à l'aise. Et préparation physique, j'en fais tous les jours 2 heures depuis un petit mois pour arriver justement en forme, simplement cardio, salle, entretien, voilà. Ma préparation donc, pour les championnats du monde sera pour une première partie sur du cardio, on va dire. Diminuer la phase cardio pour après passer sur plus du renforcement, donc gainage, abdos, etc. Et ensuite, donc préparation mentale, donc avec ma préparatrice. Donc travailler sur les points, même les points faibles, on va dire, donc la finale par exemple, les émotions, etc., etc. L'objectif pour les champions du monde, il est clair, c'est gagner. On a mis en place avec Pierre, on a prouvé que depuis des années, on peut faire des trucs, donc maintenant, il me manque que ça, je veux gagner au championnat du monde. Alors mes objectifs pour ce championnat du monde seront le titre de champion du monde, tout simplement, et puis en plus, le quota olympique. L'objectif vraiment, c'est d'être en finale. Et après, être sur le podium, c'est une finalité, mais c'est surtout, je crois, que chaque tireur préfère avant tout de prendre un quota pour les Jeux que toute autre chose.